Bonne journée. Ouais, à vous aussi. Eh, qu'est-ce que j'allais dire? Vous faites de la course à pied aussi, ouais. Non? Ouais. À quel club vous êtes? À Etouvie. Vous, hein? Vous avez quel âge? Hein? Vous avez quel âge? Quel âge? 93 ans. C'est beau, 93 ans. Et vous avez toujours couru tous les jours? Comment? Vous courez tous les jours? Non, le dimanche, je fais entre 12 et 15. Puis selon mes activités, je vis seul, j'ai pas mal de soucis. Je cours une ou deux fois dans la semaine. C'est super. Bon. Ben écoutez, je vous souhaite... Je crois que c'est pas un... C'est un bon médicament. Ouais. Ça aide à vivre et ça efface les problèmes moraux. Ça aide, quoi. Et puis... Il faut aimer. Je crois que dans la vie, pour être heureux, il faut avoir une passion. Mais savoir dominer sa passion. Il faut lever le pied quand on sent la fatigue. Et pour aller course à pied comme dans la vie. Hein. Bah, je vous souhaite une longue vie, monsieur. Bon, bah, monsieur, je vous remercie. Et puis, une bonne journée. À vous aussi. Là, voyez-vous, je rentre. Enfin, c'est une forme de vie. Je rentre, je prépare à manger, je mange à 11h. À midi et quart, je dors jusqu'à 2h. Ben, j'aimerais et un puis jour, l'après-midi, hein. Jardine. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, bon. Oui, c'est une façon de vivre. Hein. Ne demande pas à tout le monde de faire pareil, mais moi, ça me convient. Ben, écoutez, vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple. Un exemple? Oh, il y en a pas mal d'autres d'exemples. Hein. Je crois qu'il faut essayer, c'est pas essayer, il faut forcer un petit peu, pour se connaître, dominer ses défauts et se limiter à ses activités. Il faut apprendre à vivre. Il faut vivre à peu près heureux. Et je vous souhaite une bonne journée. Pareillement, au revoir.